Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui contraindre nos concitoyens à se faire vacciner. Pour tous, je pense que ça ressort quand même quelque part d'une forme de libre arbitre. Maintenant, il faut que tout un chacun prenne conscience que de cette situation, on n'en sortira pas par l'opération du Saint-Esprit, si je puis me permettre, bien que nous soyons dans un état laïque auquel je suis très attaché. Ça fait partie de notre vie en société d'accepter certaines, non pas contraintes, parce que ce n'est pas une contrainte de se faire vacciner, c'est juste se protéger. Mais on protège aussi les autres. Donc moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on arrive à emporter l'adhésion des Français. Et si on n'y arrive pas, bah, il faudra réfléchir à voir comment on peut, effectivement, par mesure crantée, arriver à une obligation ou une quasi-obligation. Je crois qu'on n'imagine pas un instant qu'on puisse obliger une vaccination sur un produit dont le fabricant dégage toute responsabilité. On ne peut pas, dans l'état actuel, à la fois de nos connaissances, à la fois de la société, de la sensibilité aussi de nos concitoyens, rendre obligatoire quelque chose qui touche à l'intime, encore une fois. On n'en est pas là. Il faut d'abord chercher à convaincre plutôt qu'à contraindre. Mais c'est vrai qu'il faut dire aux Françaises et aux Français aussi que notre liberté collective dépend en fait de notre capacité à se vacciner. Il faut à la fois faire confiance au progrès, faire confiance à la science, remercier celles et ceux qui ont produit en des délais aussi brefs ces solutions. Il faut que les Françaises et les Français comprennent que la vaccination qui a été inventée en France par Pasteur, je le rappelle, c'est pas une étoile jaune comme quelques abrutis le pensent et le font savoir. Oui au vaccin pour les personnes qui ont un risque de mortalité, mais c'est un bénéfice-risque qui doit être fait d'ailleurs avec le médecin traitant. Et à part l'Arabie Saoudite, il n'y a pas un pays au monde qui rend obligatoire le vaccin.